Et la lachot, Chazak ou Baruch Rabotai, 29 aujourd'hui, dernier jour de l'année, Bezrat Hashem pour nous tous, Shana Tova. Amen. Je sais que c'est une journée de course pour tous, alors je vais essayer également de faire moins que 3 minutes pour qu'au cas où, s'il y en a qui ont la patience, ou qui ont eu la patience aussi d'écouter toute l'année un perroquet, alors pour cela, je tiens à vous remercier. Mais tout avant, voilà une des tactiques qu'on peut utiliser pour Rosh Hashanah, c'est remercier Dieu pour cette année. Chaque année, c'est normal, cette année peut-être pour certains c'est un peu plus dur, mais si on aurait su que peu importe chacun de nous ce qu'il a passé, ça pouvait être beaucoup plus dur. Pour des autres, c'était beaucoup plus dur. Le fait d'essayer ce Rosh Hashanah-là, que remercier le bon Dieu pour l'année que c'était, automatiquement il nous dit le Baal Shem Tov, en haut ils vont voir pendant le jugement, il dit mais il remercie malgré qu'il a passé des épreuves et tout, alors on va lui donner des raisons cette année pour qu'il va remercier, mais avec un grand plaisir. Alors ça c'est première tactique. Deuxième chose, c'est que je veux vraiment demander de tout fond de cœur un merhila ou slicha s'il y a quelqu'un, quoi que ce soit, qui j'ai pu le vexer, que j'ai mal parlé, que j'ai pas répondu. Alors tout ce qui est entre nous et le bon Dieu, je sais que chacun de nous va faire un effort. Mais ce qui est entre nous, tous les mots vexants, toutes les fois où j'ai mal calculé, pas bien dit, alors je tiens vraiment à m'excuser et demander slicha ou merhila. Et citer quand même une halakha, parce que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, pratiquement, c'est des coutumes. Très bien, les hommes, ils vont aller au mikvé, tzedaka, vacha, préparer, habiller en blanc, mettre ça, faire les halot ronds. Tout est des coutumes très belles, manger la grenade, tout. La première fois, on va trouver un péché, ça va être demain. Ça, demain, on n'a rien le droit de préparer, de mardi à mercredi soir. Ah, c'est une grande journée de fête. Tu as fini la table mardi après-midi. Teilim, fais ce que tu veux. Mais je vais mettre une assiette pour le soir. Non. Vis le moment. Alors voilà, on vit le moment et aujourd'hui présent, on va remercier Dieu pour cette année qu'on a passée. Et comme ça, si Dieu veut, pour l'année qu'elle arrive, on va pouvoir bien, profiter, accueillir toutes les bonnes nouvelles que Dieu il nous envoie. Parce que c'est une année kadosh. Dès ce soir, même la terre, elle fait Shabbat. Shemitah, Shabbat, tout le monde, il se repose. Alors à nous de reconnaître, glorifier, nommer Dieu comme le roi. Et bien sûr que sur la route, tout ce qu'on a besoin, il y en a même qui disent Rosh Hashanah, le Zohar, il dit haou, haou. C'est comme les chiens qui demandent, qui veulent tout prendre. Attends, d'abord dis merci, t'inquiète pas, Dieu, il voit ce qu'on manque. Alors je tiens à vous remercier d'être patient et d'écouter. Et bien sûr que si quelqu'un d'autre, il était à ma place et avec mes livres, il aurait fait 10 fois mieux. Et en tous les cas, je demande Mechila, Slicha et Kapara. Une excellente année, Bezrat Hashem. Shana Tova, Kiva Tova, Besorot Tovot, et Shavua Tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.